je fasse plus attention. Je peux pas rester là. Ça va s'écrouler. Oh, c'était chaud. Ok, alors... Jonah, je crois que je l'ai trouvé, la cité perdue. Je pars à la recherche du serpent avec un œil d'argent. Eh oh! Qui est là? Eh oh! Ça va? Je peux vous aider. Va-t'en! T'as rien à faire là! Écoute, je sais que ça fait mal, mais... Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais des recherches. Lara Croft. Ils vont revenir. Nous devons nous cacher. Emmenez-la. Tu n'es pas seulement mon fils, tu es mon héritier. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Sans ton imprudence, cette femme serait-elle ici? Mais tu es sain et sauf. Si tu n'es pas du culte, comment nous as-tu trouvés? J'ai trouvé une carte dans un temple. Je m'attendais à des ruines, pas des gens, ni rien de tout ça. Le culte, pourquoi s'en prendre à votre fils ? Je reconnais cet emblème, c'est celui des Trinitaires. J'essaie de les arrêter. Tu sais ce qu'ils cherchent à faire? Ils veulent trouver un artefact. C'est une sorte de boîte liée à la déesse de la Lune. Qu'est-ce que tu vas faire? La voler? La vendre? Non. Je dois empêcher les Trinitaires, le culte, de s'en emparer. Ils sont trop dangereux. Pourquoi? Pourquoi tu les détestes? Ils ont tué mon père. Est-ce que je peux vous montrer ceci? Vous savez ce que c'est? C'est Paititi. Et tu y es. Paititi, la cité perdue. Et cet œil alors? C'est un lieu de mort et de sacrifice. Tu penses que ton artefact est là? Oui. Personne n'en est jamais revenu. Je veux bien essayer. Tu prendrais ce risque pour arrêter le culte? Oui. Amenez-le. Jonah. Est-ce que ça va? Tu connais cet homme? C'est mon ami. Et Abby? Ça va. Qui d'autre te cherche? Personne d'autre. Je crois que nous cherchons la même chose. Nous t'amènerons au serpent à l'œil d'argent, mais ton ami reste ici. Tu n'iras pas bien loin si tu nous mens. Et lui, il regrettera. C'est vraiment pas nécessaire. Ça va aller. Je t'attends. Edsley. Donne des habits à cette femme. Ocho, tiens-lui compagnie. Je fais aussi vite que possible. Ok. C'est très beau ici. Silence. Disons juste que je connais pas votre nom. Pardonne-moi. En tant que chef des rebelles, je me dois d'être prudente. Je suis la reine légitime, Unuratu. Hetzli, j'attends toujours ton rapport. Oui, mère. J'ai vu quelque chose ce matin. Oui? J'ai vu Akan qui discutait avec son voisin. Il avait l'air en colère. En me voyant approcher, ils ont arrêté de parler. Il prépare quelque chose. Bon travail. Merci, mère. Hey! Salut. Vous le sauriez tout de suite. Je comprends. Elle est ici pour m'aider à retrouver quelque chose que j'ai perdu. Ne t'inquiète pas pour ça. Kabil, Jah, Inwogen, Wakao, Jacob, Soumen, la Inobo. Parce que mon père était aussi éclaireur à mon âge. Il était chasseur. Alors, il était surtout très bon. Wally, tu es là. Qui êtes-vous? Mais je l'ai vu. Il les a. Ça suffit, Taki. Tu as perdu tes dés, soit. Mais ne viens pas mentir. Le culte a doublé. Je sais que personne ne voit. Mais pourtant, moi, si. La garde pourrait empêcher. Est-ce que tu vas bien? Non. Pisco le mort a pris mes dés, mais personne veut me croire. Pourtant c'est vrai. C'est un mort qui a pris tes dés? Tu les as pas perdus. Oh, vous valez pas mieux que les autres. C'est vrai, tu as raison. Tu sais quoi? Je vais faire très attention, et si jamais je croise Pisco le mort, je lui demanderai tes dés. Vraiment? Vous me croyez? Ce serait pas la première fois que les morts s'adressent à moi. Vous troquez? Je vous en prie. J'ai gagné à peine assez pour offrir un tribut. Un tribut à qui? Le culte de Kukulkan, bien sûr. Il réclame la moitié de tout ce qu'on peut gagner les jours de marché. Mais s'il croit que j'essaie de les rouler... Oui, je comprends. Merci, jeune fille. Alors, vous troquez? J'ai toujours du temps pour les affaires. Akan! Qu'est-ce qui se passe? Des fous. Ils guettent l'apparition de leur dieu. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu? Le sacrifice est mon devoir. Mais le chef du culte veut prendre ma place pour devenir ce dieu. Il croit pouvoir refaire le monde pour nous faire vivre dans son propre paradis. Refaire le monde... Ça me rappelle quelque chose. Le voilà! Je le connais. C'est le docteur Dominguez. Regardez! L'instrument de notre unité et de notre salut! Bientôt! Nos rêves de sécurité et de paix seront exaucés. Il l'appelle déjà Kukulkan, mais son vrai nom est Amaru. Il est né ici, mais il a grandi auprès d'étrangers. Les gens lui font confiance. Mais pas vous. Mon mari, Sayri, était son frère. Il n'était pas d'accord sur l'avenir de Paititi. Mais Sahiri est mort, et Amaru s'est dévoué au culte. Vous avez vu la tempête. Et vous craignez ce qui pourrait suivre. Je vous promets que Paititi va bien survivre. Et elle sera prospère. Je le connais bien. Si Amaru réussit, ceux qui contestent son pouvoir ne verront jamais ce paradis. Les rebelles seront écartés. Sauf s'ils ne trouvent pas la boîte. Oui. Nous devons la trouver avant lui. Peut-être qu'Amaru pourra encore trouver l'amour. Et la raison. Mort aux envahisseurs! Le châtiment viendra! Akan! Assez! Nous devons frapper tant que le serpent est à portée. Nous obtiendrons bientôt justice. Je t'interdis de mettre en péril notre rébellion. Hetzli, pars devant. On se retrouve au bord de la montagne. C'est la dernière fois. Va-t'en. Suetzli, ta tenue ne trompera pas longtemps ses gardes. Promis, je trouverai la boîte. Tu devais garantir la paix. Je faisais juste une balade avec mon fils. Hum. Amaru commence à s'impatienter. Ça n'arrivera plus. Jonah, tu me reçois? Ouais, on a installé un camp avec Ocho, tout va bien. Dominguez est ici. Il est à la tête du culte de Kukulkan. C'est contre eux que les rebelles d'Unuratu se battent. Hein? Il est là depuis des années. Les Trinitaires contrôlent Paititi. Wow. Je vais rejoindre l'œil du serpent. On doit trouver la boîte avant le prochain cataclysme. Les vanilles comprennent l'esprit des dieux. Faites-moi ainsi. Excusez-moi. Vous me voyez? Enfin, quelqu'un voit Pisco. Vous êtes morte aussi, jeune fille? Vous devez être Pisco le mort? Je suis Pisco, serviteur des dieux. Moi, c'est Lara. Lara. Joli prénom, Lara. Vous n'êtes pas morte? Et vous non plus? Et pourtant, si. Mon destin était d'être sacrifié. On m'a conduit sur la montagne, le rituel fut accompli, mais... Vous avez survécu. Mon corps, pas mon âme. Je suis mort pour ma famille et tous mes proches. Je vis des offrandes qu'on veut bien me laisser. J'ai croisé un garçon qui m'a dit que Pisco avait pris ses dés. Taki, c'est le fils d'un noble très arrogant. Il a insisté pour qu'on joue, il a perdu. J'ai peu de possessions, mais j'ai gagné ses dés à la loyale. Je vous propose quelque chose. Ça vous tente de jouer un peu? On peut peut-être faire un échange? Parler à 5 personnes s'est en fait bannir. Écoutez leur histoire, dites-moi pourquoi Taki a perdu, et je vous donnerai les dés. Oui, je peux faire ça. Katusik Paititi. Machai kukimil jumkin. Bey, kukulkan ubehil. Letikon hokesikon. Chokolbe. sokin waletech, kabein putsolon tekaho. Que d'animation aujourd'hui. Kukulkan nous a promis la prospérité, mais beaucoup font des offrandes. Unuratu et ses rebelles sont les vrais enfants de Paititi, si vous voulez mon avis. Et je ne suis pas le seul à être de cet avis. Mais personne d'autre n'ose le dire, apparemment. La purification approche. Et c'est la lignée d'Unuratu qui devrait sacrifier Kukulkan pour restaurer le soleil, plutôt que l'inverse. Mais c'est le genre d'avis qui vous fait condamner à mort. Alors pas étonnant que les gens se taisent. Où est ma mère ? Elle fait ce qu'elle peut pour réconcilier les gardes et Akan. Comment c'est hors de Paititi? Disons que c'est varié. Le monde est très vaste. Plus que Paititi? Plus qu'une centaine de Paititi. C'est vrai? Tu veux bien m'emmener? Je suis pas sûre que ta mère soit vraiment d'accord. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Comment je saurais que j'ai trouvé la bonne salle? Fie-toi à l'odeur de mort. Si tu survis, tu pourras revenir en suivant l'ancien système d'irrigation. On se retrouve là-bas. Sois prudente. Le culte fait beaucoup de patrouilles. Ok, alors... Je ne vois pas ce qui aurait pu me préparer au choc de cet endroit. Les habitants, leur histoire, tout ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont aujourd'hui. Il faut entrer. Quelle odeur! Ça doit être l'endroit dont parlait Edsley. Tout doux surtout, tout doux. Je vais pas tenir. Ok, je fais doucement. Je vais y arriver. Génial. J'ai pas le choix, on dirait. Est-ce que c'est un rebelle? Il doit y avoir un serpent avec un œil d'argent. Je suis sur la bonne piste. L'odeur est de plus en plus forte.